Coucou les choucroulous, d'ici Lupina pour l'épisode numéro 122 du 100 Baby Challenge. On est à 50 mouflés. Et c'est... les triplés sont devenus des bambins. Donc on va aller les retrouver. Et on va aller rager pendant les deux prochains épisodes, je pense, voire même trois. Allez, c'est mardi. Et nous voici in the game. Faut que j'arrête de faire cette blague nulle. Donc les gosses, là, ils vont aller à l'école. Est-ce qu'ils ont fait leurs devoirs? Je sais plus. Oui, c'est bon. C'est bien, les enfants. Les bambins dorment et Pierre aussi. Eh bah, tant mieux. Est-ce que je vous avais montré les modifications que j'ai fait? J'ai juste mis une serre là et j'ai quand même couvert ici. Pour pas que les bambins soient gelés. Même si ça aurait pu être drôle, hein, mais j'ai vraiment envie de rusher les compétences. Et on est déjà en automne, du coup j'ai vite fait ça, voilà. Bon, alors ça casse un peu la maison qu'avait fait Cécilia, mais bon, je pouvais pas faire autrement, hein. Alors ça va maintenant, arrêtez de juger. Arrêtez. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais ils peuvent se casser tout ce monde là. Tiens, est-ce que vous avez monté vos compétences ou... Ouais, c'est bon. Oh, ben tranquille le canard. Tiens, on va faire la vaisselle, sale gosse. C'est Samy, je crois. Je sais même plus qui c'est. Je sais même plus le nom de mes mouflés. Oh là là. Joue avec ton frère. Ah, Pierre est debout. Pierre! You, Pierre! L'esprit de Priscilla est en train de disparaître. Adieu! Adieu! Tiens, va te doucher, Pierre. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va régler le thermostat. Oui, parce qu'en fait, j'avais mis sur plus frais, hein, puisqu'on était en été, mais c'est passé très vite en automne. Du coup, mes gosses ont eu froid cette nuit, c'était écrit. J'étais là, ah ok. Oui, parce que j'ai repris avant, enfin, j'ai joué hors caméra le temps de passer la nuit, parce qu'on s'en fout un peu. Alors, Pierre! Non, j'ai pas envie de m'occuper des enfants. Oh, faut leur apprendre le pot. Oh, non, je veux pas. Je veux pas y aller. Est-ce que les gosses, ils vont peut-être... Oh, ah bah non. Oh, ce serait vraiment énorme qu'ils passent... Non, arrêtez de jouer pour aller à l'école, vite. L'école. Ce serait vraiment bien qu'ils aient le A, comme ça je pourrais m'occuper d'eux, enfin me servir d'eux pour élever leur petit frère, leur petite sœur, là. Allez à l'école! Vite! Vite! Qu'est-ce que c'est que cette tenue, mec? C'est pas du tout ce que je t'avais mis pour l'hiver, tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais c'est quoi ça? Mais c'est laid! Mais j'avais pas mis ça! J'avais pas mis ce manteau horrible! Le bonnet, je m'en souviens, ça se trouve en fait, j'avais juste changé le bonnet et après j'avais oublié de faire la tenue. C'est possible, en tout cas c'est affreux. Mon pauvre Natsume, au revoir, bon courage à l'école. Je pense que les autres enfants vont se moquer de toi. Pauvre gosse. Oh my god. Coup Pierre. C'est bon là, il est propre, machin, il est tout bien. Tu vas faire à manger pendant que les gosses dorment. Un grand repas, voilà, fait un truc au tofu. Et faudrait qu'on lui retrouve un autre copain. Ou une copine d'ailleurs, le temps, dès que les triplés seront enfants, je pense, on ira lui faire rechercher l'amour, oh, et je baille, c'est génial. Ah, ça va être ma séance, je baille, ça va être super, bon. Alors lui, il fait son plat, les triplés, ah bah ils ont fait dans leur couche. Qu'est-ce qu'ils ont comme compétence à faire? Putain, ça me saoule. Oh, regardez tout ce qu'il y a à faire. La réflexion. Génial. Bah, tout le monde va jouer à Sims Form. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, hop. Sims Form et bah lui... Oh, il lui manque un truc, lui. C'est quoi qui manque? Qu'est-ce qui manque? Le pot. Il manque le pot. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Allez, Sims Form, toi aussi. Tout le monde. Zou. Vous puez du derche, je m'en fous, mais d'une force. Bah allez, c'est bon là, t'as assez dormi, je sais même plus qui c'est. C'est Dersimer, Miss Panda et Paillette. D'ailleurs, il faut que je change le nom de Paillette, puisque j'ai oublié un L, hein. La meuf à 25 ans, elle sait pas écrire Paillette, voilà. Voilà, voilà. Génial, on adore. Je suis un boulet. Qu'est-ce que c'est que ça?
Pierre, t'as pas l'impression d'avoir raté le plat par hasard? Parce que c'est le cas, mon bichon, hein. Faut que tu le saches. Oh, quelle horreur. Bon, bah, c'est pas grave, hein, les chiards vont manger. Mais pose le plat, putain de jeu, merci. Alors, oh, attendez. Paillette? Paillette? Oh! Paillette va bientôt être level 2 en réflexion. Est-ce que c'est-y pas beau tout ça? Cette phrase n'a aucun sens. Est-ce que c'est-y pas beau? Ce slime. Oh my god. Oh my god. Ouh, y'a nouveau sur le Discord. Bienvenue. Bienvenue, Mélodie. Je suis actuellement en train de tourner. C'est pas grave. Bon, Simette va s'occuper de toi. Elle va s'occuper de toi, la gourgandine. Je sais qu'elle est là. Bon, attendez, j'ai tout perdu, là. Je suis perdue. Voilà, c'est bon. Alors, t'en es où? Ça y est, compétence 2. Allez, hop. Non, la bonne. C'est bon, range pas mon truc, là, parce que sinon, ça va pour le faire. Allez, paillette, c'est bon, t'as la compétence 2, t'as le droit d'aller manger. Va manger! Ah, merde, il faut que je fasse travailler les durs. Ah, bah, c'est bon. Ouf, ils en sont où, d'ailleurs? Ce serait tellement bien s'ils avaient un A. Ayez un A, s'il vous plaît. Ayez un A. Ah bah lui, il aura pas le A. Hein. Non. Bon, toi, tu vas apprendre à paillettes aller sur le pot. Est-ce que j'ai mis le... Non, il faut vraiment que je mette le L. Bon, c'est pas très grave. Allez, paillettes. Zouzou. Zouzou. Est-ce que le terrain a le trait bambin, là, machin. Aura romantique, on s'en fout. Ah non, non, je veux ça. Oh, j'avais pas ce trait. Ça veut dire que je galère depuis le début. J'avais pas jeu d'enfant. Cela dit, c'est jeu d'enfant, pas jeu de bambin, mais c'est les cubes des bambins. Du coup, est-ce que ça marche quand même pour les bambins? Bon, bah, on va le mettre, on verra bien. Oh, attendez, mais s'ils peuvent apprendre plus vite, moi je prends. Faut que j'arrête de me cracher dessus. Putain, j'en peux plus de moi. Allez! Allez, apprenez plus vite! Oui! T'as bugué, merci. Le jeu, faut réagir là maintenant, merci! Zouzou! Oh my god, tellement de skills! Ouh! Un zoom sur ma gueule en pleine vidéo, allez! Oh my god! Ah! Attention, le chat s'est levé! Le chat va certainement miauler! Ça fait une heure que j'attends qu'il se rendorme, mais non, il veut pas. Donc du coup, ben vous allez l'entendre, et ben tant pis. Bon, mais... Pff, ça fait une heure qu'elle bouffe, hein. Alors je sais pas si les bambins, ça met vraiment trois plombes à bouffer. Mais faut pas exagérer, là, quand même. Non, ça fait deux heures qu'elle mange, excusez-moi. Mine-toi! Mais j'en ai marre, elle va la finir, son assiette! Oh là 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 là, mon vélo. Bon alors, paillette, tu y vas? Voilà, elle est la bonne, fais ton taf. Ils y vont ou ils se touchent là? Si pouvaient éviter de se toucher, ça m'arrangerait parce que bon, c'est pas ouf, hein. C'est pas trop mon délire, mais bon. Mais eux, ils grimpent, hein, ça grimpe, c'est bien les bambins. Oui. Merde, tu es sur les gosses, là. Je me disais, c'est bizarre, ça marche pas très bien. Bon, bah, écoutez, ils seront... Ça monte pas, hein. Non, mais regardez ça, c'est en mode de tense, là. Le désespoir d'une femme! Ah, ça y est, elle est à deux, elle. Bah non, c'est Paillette, je suis con, moi. Putain, mais je suis vraiment con. Elle en est où, Paillette du pot? Non, 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 on va apprendre sur le pot à paillettes, le pot à paillettes, le pot à paillettes! Qu'est-ce qu'elle fait? Dépêche-toi! Allez, plus vite! Ah! Natsume est rentré. Ah! Il a un A! Samy, dis-moi que t'as un A. Ils ont un A? Oh oui! Ils ont un A tous les deux! Oui! Ok, très bien. Le gâteau qui sert depuis 3 semaines, s'il vous plaît. Le gâteau est demandé à l'accueil. Faut vraiment que j'arrête de gueuler, mais j'aime gueuler, que voulez-vous? Je suis une gueularde, voilà. Voilà, vous savez tout. Alors,
Du coup, je vérifie quand même qu'ils ont bien A tous les deux. Oui! Oh là là, vous êtes géniaux! Vous étiez chiant petit, mais maintenant vous êtes géniaux, je vous aime. Épousez-moi! C'est très, très, très glauque. Bon, j'arrête de dire des conneries. Oh my gosh! Allez, maniez-vous le derche! Ok, ils ont atteint le niveau 2 dans la réflexion. C'est bien, les enfants! Vous aurez un gâteau! Et ce que je vais faire, c'est qu'ils vont prendre un jour de congé. Comme ça. Bon, il grandit ou il se touche, Samy? Allez, Samy, zouzou! Zouzou! Bon, c'est pas, je m'en fous. Tiens, prends ça. Et sport, voilà, c'est. Oh my god! Oh putain! On a du lourd là, les gars. Je parle pas de sa gueule, hein, mais la chemise. Là, on est sur quelque chose de. C'est quoi ça? Ça vient de quel pack cette horreur? Oh my goodness! Par contre, il ressemble tellement à Pierre. C'est Pierre en bleu en fait. Et avec une chemise de merde. Et ça, c'est. Non mais au secours quoi, c'est quoi? C'est pas possible. C'est. Faut pas mettre ça les gars. Faut pas. Ne vous infligez pas ça s'il vous plaît. Ne faites pas ça chez vous. Ok, tu vas voir ça et puis ça, voilà. Oh bah alors lui il a la coupe d'Emo, c'est pas beaucoup mieux hein. Oh là là là. Mais cela dit, son style est moins pire. C'est-à-dire qu'on est sur du plus. Non mais regardez sa gueule de blasé. Putain mais c'est Pierre 2 aussi. Il ressemble trop à Pierre. Ok, bon bah alors on a Jean-Kévin de la Tour et Kevin Dark qui coule là. Ok. Je suis MDR, JPP. Bon alors attendez, les gosses. On en est où de ces saloperies de gosses de merde? Oh putain, elle a faim elle. Ouh là, va manger. Ouh là, toi aussi. Ouh là. Il se fait quoi le Pierre là? Pierre? À quel moment je t'ai dit d'aller sur le PC, tu te fous de ma gueule? Déjà, va pisser pour commencer et ensuite donne un bain à ta petite là parce que la petite paillette là elle est dégueulasse. Donner un bain de mousse à paillette. Voilà, bon, ils sont tous dégueulasses, mais paillette a plus mérité que les autres d'être moins dégueu. Vous comprenez le truc ou pas? Oh putain, elle est presque à la compétence 2 du pot, c'est abusé. Oh, bon, eux, ils vont bouffer, ça va prendre 3 plombes. Bah, allez manger aussi, les grands. Voilà. Ah oui, j'avais dit qu'il fallait qu'ils prennent une journée de congé. C'est pas ça que je voulais faire. Oh, c'est bientôt. Qui c'est que ça? Bagarre de quartier. Combat. Bah, je veux pas de ça, moi. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. C'est hors de question que mes Sims aillent se battre. Hein. Ou qu'on vienne les faire chier. Alors, du coup, prendre un machin. Où que c'est que c'est? Prendre un jour de congé et toi aussi. Genre, tu prends un jour de congé à l'école. C'est tellement pas crédible. Enfin, c'est pas réaliste. C'est. Oui, bonjour. Non? Non, non, non. C'est. T'imagines? Oui, bon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Mais on s'en fout, ça m'a tellement fait peur. Ok, d'accord, c'est bien. Et ça va faire ça à chaque fois que un des membres de ma famille meurt? Ah bah c'est nouveau ça. Non mais sérieux, on s'en balèque. Bonjour, je suis au regret de vous annoncer que machin est mort. Qui s'en fout quoi, c'est bon. Oh, d'ailleurs, coucou à toi Alexis. Au passage, si tu viens toujours sur ma chaîne, parce que je ne sais pas. Mais. Mais franchement, bah voilà, ton Sim c'est mort. RIP. Ça faisait un moment, hein, en même temps. Attends, ça fait 3 ans qu'il y a ce challenge là. Bon, c'est bon, elle est propre, la gosse là. Maintenant, tu lui apprends à aller sur le pot. Toi, tu vas apprendre à aller sur le pot à elle. Et toi, à ton petit frère. Voilà, et tu vas ensuite lui apprendre ici. Et toi, tu vas lui apprendre là. À Miss Panda. Voilà. Normalement, c'est bon. Oh non, non, non. Alors là, non, par contre. Non. Non, non, non. Ils sont tristes pendant 2 jours parce qu'ils ont eu un coup de fil
Comme quoi, un de leurs ancêtres était mort. Je veux dire, ils l'ont jamais connu, pourquoi ils sont tristes? Cette mise à jour va me saouler, mais d'une violence. Ça me saoule déjà. Non mais c'est relou. En plus quand ils sont tristes, ils veulent rien faire. Oh, on va te faire foutre le jeu. C'est très nul. Alors pour une enfin une vraie série entre guillemets, je dis pas, mais pour un challenge, c'est pas possible quoi. Ça pour le faire. Ça pour le faire. Ah ça y est, Payette a la compétence numéro 2. Et ben du coup, on va lui enseigner les formes. Hop. Ça, on va le foutre au frais quand même parce que bon, depuis le temps, c'est sorti depuis je sais pas quelle heure. Qu'est-ce qu'ils font? Vous y allez ou pas? Les gars. Wouh! Ouais, c'est bon, ils prennent juste leur temps. Bon allez Payette. Allez Payette. Et mais du coup ça va, hein, ils ont plutôt géré mes mouflés là. Attendez. Oula. Oui bon lui il a un en pot. Oh, putain on est pas rendu avec le pot. Hein. Oh, au secours. L'imagination ça va, ça a monté vite l'imagination. C'est pas un souci ça. C'est vraiment la réflexion et le pot et quand ça sera fait, ce sera libéré, délivré. Hein. Oh, allez, maniez-vous le derche. Mais oui, bon, faudrait peut-être s'asseoir. Voilà, c'est bien. C'est bien, bébé. Oh my gosh. C'est magique ici. On dirait un mauvais sketch, tu sais. Ah, ça y est, ils appellent pour le jour de congé, pas trop tôt. Ah, ils font leur crise, les sales gosses. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ils sont un peu fatigués, peut-être. Bon, bah, on va les foutre au lit. J'adore les bonbons. Voilà, toute ma souffrance dans cette chanson, vous êtes partagée. Oh my gosh. En plus des triplés. Des triplés les gars. Surtout les gosses que je pouvais avoir, j'ai eu des triplés. Des triplés. Oh non! Merci, meurs! On allait te coucher, pourquoi tu t'es évanoui? Allez, va lui lire l'histoire. C'est chiant. Bon, arrête la réflexion là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Oui, bah emmène-la! Mais arrête de chialer, fais-toi emmener, connasse! Lupina aime ses abonnés. Je suis désolée pour vous. Aïe, 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 non mais c'est chiant là. Allez, Pierre! On les emmène, zouzou, bon. Et du coup, vous allez comment? Bah, ça va, hormis que vous êtes triste pour un ancêtre que vous n'avez jamais vu, hein. Donc, pff, la logique des Sims, comme d'habitude, c'est génial. On adore. C'est fantastique. Bon, vous allez faire vos devoirs, quand même, parce que bon, c'est bien beau de rigoler, mais maintenant, ça suffit, hein. Et Pierre t'ira jouer un peu, parce que là... Ça va pas du tout. Ah là 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 là, ma chérie, ça va pas du tout. Bon, puis la boniche la nettoiera hein, demain, c'est pas grave. Bon, c'est bon, là, t'es propre. Allez, va faire tes devoirs. Oh, mais il est triste. Non. Putain. Je craque. C'est Samy, je crois. Samy, tu as toute la maison pour faire tes devoirs. Genre qui est quand même assez grande, hein, on va pas se le cacher. Pourquoi tu les fais sur le bureau de ton père au moment où il en a besoin? Fils de pute! Je sais même plus c'était qui son père. J'en sais rien, mais c'était casse-couille. Fais tes devoirs ici, espèce de connard. Allez, hop! Dépêche-toi. Vas-y, casse-toi, là, tu me gonfles. Et on va verrouiller la porte, hein, puisque tout le monde est con dans ce jeu, là. Ça me saoule. Tout le monde, sauf Pierre, m'a quand même autorisé les employés, parce que, bon, c'est normal, que Pierre soit tranquille dans sa piole, quoi. Non, mais j'hallucine. Oh, le craquage...
Non mais... Le gars a quand même été chercher son bouquin. Je lui avais dit de faire sur la table, hein. Mais non, non, il faut faire là où les petits dorment. Nono, si t'as une musique super désespérante, c'est le moment de la caser parce que là, je sais même plus quoi dire tellement ça me... Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Ça me fatigue, ils le sont cons. Mais du coup, faudrait vous manier le cul de faire vos leçons par contre, parce qu'on n'a pas que ça à foutre, moi. Bon, Pierre va te coucher. Allez hop, au lit! De toute façon, on s'en fout, demain, ils ont congé, eux, donc on est tranquille avec ça. Bon, on va peut-être leur donner une chambre un peu plus appropriée, genre ils vont aller dormir ici. Voilà, toi tu vas dormir là, et toi tu vas dormir là. C'est bon, ils ont fini. Bon, ils ont fini, c'est déjà ça. Oh non, mais au secours, quoi. Oh, faut qu'ils apprennent une compétence. Bon, et bon, c'est pas très grave. Bon, c'est bon, tout le monde dort. C'était obligé, ça, Samy? Ben, va te coucher, mais... Mais c'est quoi ce nouveau bug là? Genre, il se couche sur le lit, il se relève, et l'autre il fait un selfie, et il va pas se coucher. Tu peux aller dormir, Samy? Samy! Wouh! On adore! Bon, sur ce, j'espère que mon craquage vous aura plu. Si vous aimez cette série, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager, parce que vraiment là j'en ai besoin. Et on se retrouve malheureusement la semaine prochaine pour la suite de ce challenge fantastique et qui ne met pas du tout mes nerfs à rude épreuve. Sur ce, je vous envoie des cœurs et des paillettes et salut! Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Ça nous fait du vent dans